Qu'est-ce que c'est pour qui? Mais on reçoit les voisins. Les voisins? Bonsoir. Enfin, tu ne vois aucun inconvénient à ce que j'aborde le sujet avec nos chers voisins? Ah non, hein? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des boulettes de poulet à la balinaise, c'est indonésien. Si nos voisins mettaient la musique à fond à 4h du matin, ça ne gênerait pas de leur en parler. Je fais une petite distinction entre s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser la musique? Attention, hein, très aphrodisiaque aussi. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de jouir? Tu te rappelles? On tenait simplement à s'excuser. On est bien conscient qu'on doit vous embêter. Quand on fait l'amour. Mmh. Parce qu'il y a quand même des soirs où on fait trembler tous les meubles, nous. Oh. Si tu veux mon avis, c'est des exhibitionnistes. Les orgasmes atomiques, c'est pas forcément Adèle. À tous les coups, c'est Caro. Ouais. Et Caro? C'est une amie. Oh, c'est quand t'as bien avec Santiago. Santiago. Enfin, Caroline, Santiago, ou d'autres, hein, franchement. Ou de l'autre. On pratique le sexe en groupe. Chacun ses hobbies en même temps, hein. Moi, c'est la flûte. Le sexe, non? Toi, par exemple, ce que t'aimes, c'est qu'on te regarde marcher nu. Non, tu regardes ma femme marcher nue? Oui, par la fenêtre du salon, là-bas, oui. Est-ce que tu me regardes encore, toi? Les couples ont besoin de se disputer. Ta gueule avec tes consultations. Je vais te tuer! Est-ce que tu peux être coincé du cul, Xavier? Ma parole pète un coup! La nuit ne fait que commencer!